J'ai recréé le jeu Five Nights at Freddy's dans la vraie vie, avec une vraie pizzeria, des vrais animatronics et une vraie expérience que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Bienvenue dans la plus grosse vidéo de ma chaîne, Five Nights at Freddy's dans la vraie vie. Ok les gars, c'est mon premier jour, la partie vient juste de commencer, je sais pas du tout comment ça va se jouer, je suis très stressé honnêtement, mais bon, pour l'instant tout va bien et... Salut Rayton. Oui, allô? Ça fait plaisir que tu sois là pour découvrir ton nouveau travail. Il y a un peu de règles alors, t'inquiète pas. En fait, il n'y a qu'une seule règle, ne pas mourir. Les animatroniques dans la salle de contrôle se réveillent la nuit et veulent te faire du mal. Mais j'ai tout prévu. Quand ils arrivent, tu peux fermer les portes de sécurité. Mais n'essaie surtout pas de te balader dans la pizzeria, t'es pas en sécurité ici. Tu peux également utiliser les caméras pour connaître leur position et te préparer à leurs attaques. Fais juste attention, quand tu utilises les caméras ou les portes, tu perds de la batterie. Si t'as plus de batterie... C'est la fin. Bon, bonne chance, tu dois tenir 5 heures. Ok, ouais, on se rappelle pas. Ok les gars, la partie vient de commencer, on est officiellement dans Five Nights at Freddy's dans la vraie vie. La vidéo que vous avez attendue pendant des années, elle est là. Les gazos, tout le décor a été recréé. C'est vraiment tous les décors de Five Nights at Freddy's. Vous pouvez pas imaginer le temps que ça a pris, que la nuit commence et que l'horreur arrive. Alors attendez, moi je vais voir un peu, il y a qui déjà comme animatronique? Ok, ça fait un peu bader, je vous mens pas. Ils font un peu bader, surtout la suite de droite là. Lui, il me regarde mal. On va regarder un peu les autres pièces. Ok, donc en fait, on a vraiment littéralement tout recréé. Donc là, on a la salle à manger, out of order, parce qu'il y aura Foxy. On a aussi un débarras. Mais mec, je vois pas du tout. C'est ultra dur en fait de se positionner dans le jeu. Les animatronics partent d'ici. Moi, je suis juste là. Et ils peuvent m'attaquer par le couloir de gauche ou le couloir de droite. Là, on a un couloir. Et là, c'est off. Parce qu'il faut pas oublier un truc, les potes. C'est qu'à chaque fois que moi, j'utilise les caméras pour regarder et tout, ma batterie se baisse, donc c'est vraiment compliqué, il va falloir qu'on gère ça. Et en fait j'essaie de leur mettre des feintes et tout parce que je sais qu'ils peuvent pas bouger si je les vois. Mais d'un autre côté ça fait baisser ma batterie. Bon, faut que j'arrête un peu de faire le fou les gars. On peut dire que mon premier jour de travail est vraiment très très agréable, on va pas se mentir. Wesh, wesh, ok. Droki, il est parti. Oh, ça j'aime pas les camés, ça fait trop flipper. Pas bouger. Ok, je perds de la batterie, mais c'est pas grave, n'est-ce pas? Ah, mais du coup, là, fait que je suis focus sur Draw Kill, je vois pas Bonnie. Ok, Bonnie, t'as toujours été mon préféré. La vérité, toi au moins, tu m'énerves pas. L'autre, il veut me buter, c'est pas possible, les gars. En plus, il faut vraiment que j'économise à mort ma batterie. Parce que là, du coup, les gars, il faut que je tienne quand même jusqu'à 5h du matin. C'est très long. La patience, il faut l'avoir. Ok. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas s'il se gratte ou il convulse. Dans tous les cas, je sais qu'il vient vers moi. Mais tant que je le regarde normalement sur cette caméra, il ne bouge pas. Moi, je le sens pas. La vérité, les gars, il y a des toiles d'araignée partout. Il y a des affiches bizarres. Wow. Qui a passé cette oreille là? Moi, je la vois. Mais c'est Bugs Bunny. Attends, il y a. Les gars, il y a Bonnie qui avance. Ok, 93% de batterie, ça va être chaud. Bon, moi, j'aimerais trop que quelqu'un me rappelle juste au téléphone. Vous savez, je me sens seul dans mon métier de veilleur de nuit. Ça fait 40 ans que je fais ce métier. J'ai pas encore été payé. Attendez, est-ce que ça a bougé? Bonnie n'a pas bougé. Bonnie, salle à manger. La place de Bonnie, c'est à la cuisine. Mais regardez-moi cet œil vicieux. Mais ça commence à faire un peu peur. Vraiment, les gars, je suis tout seul depuis tout à l'heure. Je parle tout seul. Je me sens pas bien. Oui, parce que de Foxy, c'est cool. Ok, pour l'instant, les gars, c'est carré. Il me reste 87% de batterie. Je gère extrêmement mal ma batterie, les gars. C'est les pires choix. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je veux faire des concepts comme ça où je sais au fond de moi que je risque la mort? Ça. J'entends des bruits. J'entends des bruits de pas, les gars. J'ose pas regarder tout de suite parce que j'ai peur de perdre de la batterie, genre bêtement. Mais là, en vrai, j'ai. Bon, vas-y, on regarde quand même. Bonnie? Where is Bonnie? Ok. Je suis pas exactement sûr. Je crois que c'est la porte qui est là. Donc Bonnie, normalement, devrait apparaître juste derrière moi. Ah non, peut-être pas. Peut-être que c'est de ce côté. En fait, ça peut être des deux côtés, les gars. C'est ça qui est stressant. Il me reste 84% de batterie. Donc, dès que je l'entends trop, soit je le flash. Parce que si je le flash, normalement, il s'arrête de bouger. Soit je ferme la porte. Mais fermer la porte ou flasher, dans tous les cas, ça me fait perdre de la batterie. On n'est même pas à la première heure. J'ai déjà grillé 20%. Ça fait des années que je joue à ce jeu. Ça fait des années que je suis nul, mec. Oh oh. Ok, là, ça commence à s'approcher. Là, on est vraiment, vraiment très, très proche de. De moi. Ok, Bonnie par contre n'a pas bougé. Bonnie, en fait, je flippe. Parce qu'à chaque fois, j'oublie qu'il est littéralement juste à côté de moi. Le stress est là, les gars, vraiment. C'est un peu approché, gros. Whispering. Non, mais je jure. Draw Spring Killer Flyer Moon. Toi, tu fais trop peur avec ta petite cravate, là. La cravate, c'est ce qui me fait le plus peur parce que ça me rappelle le travail. Et le travail, c'est pas ouf. Bon, en fait, là, je suis trop bête. Juste, en fait, j'appuie sur tous les boutons, je veux juste griller mes pourcentages. Faut que je sois plus stratégique. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais dans le vrai FNAF? Je pense que je serais parti en courant. Je pense que c'est la première chose que j'aurais fait. J'ai envie de tester un truc. Juste pour le fun, j'ai envie de voir il se passe quoi si j'appuie sur une light. Ok, ça fait des flashs. Ok, j'arrête. Ce genre de regard malicieux, je le vois tout le temps dans les yeux de mes ex. Ok, il y a quoi ici? Bonnie n'a pas bougé, hein. J'entends des bruits, mais je suis pas exactement sûr d'où.
Ok. Les deux, ce soit les deux couloirs en même temps. À noter que je ne peux pas fermer les deux portes en même temps. Ça va être extrêmement dur. En fait, il faudrait que j'en flash un limite et que l'autre ferme la porte. C'est qui le plus fort entre les deux? Attends, je vais contempler leur musculature. Draw a l'air un peu moins fort, mais fait bien bien plus badé. Là, il faut que je sois dans le bon timing, il faut que je les flash au bon moment, sinon c'est mort. Moi, ce qui m'achève, c'est que j'ai envie d'aller faire la fête. Regardez, il y a tous ces chapeaux là. Moi, j'ai envie d'aller faire la fête, les gars. J'ai pas envie de mourir. Qu'est-ce que tu vas faire? T'es derrière la vitre, tu peux. Ok, il a l'air d'être parti, donc je désactive tout. Allez, on remballe la porte. J'ai perdu combien de pourcents du coup dans cette histoire, moi? Ne viens pas faire ça. La chaise, c'était une bonne idée. Je savais que ça allait impressionner. Ok, ok. Ils sont repartis à l'endroit de base, les gars. En fait, à chaque fois qu'ils viennent me voir, s'ils n'arrivent pas à me choper, ils vont juste taper dans la porte et repartir. Et là, ils sont vraiment trop bien. Ils vont bien ensemble, regardez, là, avec les petites oreilles et tout, c'est trop bien. En fait, là, ça sert à rien. Il faut pas que je regarde trop les caméras. Faut que j'attende le bon moment pour le faire, parce que sinon, bah, je vais perdre. Pour l'instant, tout va bien en vrai, les gars, parce que au fond, c'est des gens comme nous, vous et moi, tu vois. C'est des gens qui sont là, qui voudraient, tu vois, notre bien-être et tout. Mais pas tout le temps, pas tous les jours, et... Wesh. Mec, calme-toi. Porte. C'est horrible, les gars. Je suis pas bien. Je suis pas bien, les gars. Il tape sur les deux portes. Il me voit pas. C'est comme les dinosaures, si je les vois pas, ils me voient pas. Ok, je crois qu'il s'en va, mais là, je perds la batterie. Wesh. Pourquoi ça s'est ouvert? Ok. Bon, ça va, ça s'est ouvert, mais il est parti. Ok, il y a des bruits. Les gars, il y a des bruits bizarres. Attendez, on va regarder. Tout doux. Et en fait, là, j'ai même plus envie de m'asseoir, quoi. En fait, je m'assois pas du tout. Les gars, j'entendais des bruits et tout. Je sais même pas si c'est pour la vidéo. Where is Bonnie? Bonnie Clyde, ok. Bonnie, tu me fais pas peur. Oh, Bonnie, convulse, hein. Eh, Bonnie, tu veux un tagada? Tu veux un verre d'eau? J'ai appelé ma maman. Maman, ça va? Ouais, là, actuellement, chanson de pizzeria, ouais, c'est mon nouveau job. Non, en vrai, c'est cool. Franchement, mes collègues, ils sont très sympas, on va dire. Un peu morbides, mais vas-y, c'est leur style. Ah, tu t'en bats les couilles? Ouais. Bon, bah, salut. Ah, vous êtes pas ma mère? Je sais pas qui j'ai appelé. J'entends des bruits, je passe à bouger. Ok, c'est Bonnie. Bonnie, assis, couché. Oui, il me respecte pas trop en même temps qu'il me respecte. Wow. Toi, tu ne bouges pas, ok? Faut que je m'étende, faut que je pense à un truc qui me détend. Un étendoir. Bonnie, bouge pas, par contre, Draw, je n'ai absolument aucune idée d'où est Draw. Ok, normalement, Draw est juste là. Non. Bon. Alors, ça va? Fais quelle température derrière la porte? Non mais t'as pas, ça sert à rien. Là, tu te fatigues. Tu vas juste te fatiguer, ça sert à quoi? Y'a pas à faire ça, y'a pas à être méchant. Faut pas être méchant dans la vie, faut être gentil. En vrai, je rigole, mais là, c'est clairement la nervosité. Oh, il est parti, il avait l'air triste. Je me sens pas bien, par contre, je sais pas ce qu'ils vont faire quand ils vont m'attraper, parce que je suis tellement insolent depuis tout à l'heure. J'ai peut-être une idée. Dans le vrai FNAF, on peut pas faire ça, mais moi, je peux. Je vais regarder juste s'il y a quelqu'un. 50% en même temps. Là, les gars, vous le voyez pas, mais il y a littéralement Bonnie à un mètre de moi. C'est quoi, Bonnie? Je suis quelqu'un de cool. Si j'ouvre la porte, logiquement, tu vas pas me tuer. On va être amis. On va manger des Smarties. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, être ami, c'est pas le plan. Oulali! Regarde, c'est pas cette ami, putain. Il fait trop peur. Oulala! Non, attends. Non. Mais je veux pas avoir le dos en même temps. Pourquoi ça marche pas? Les gars, c'est déjà très chaud là. Hé, hey, un petit photo, c'est pour ma maman. Oh, mais ça va, là. Oh, on va rigoler. Je suis pas bien, parce que c'est stressant. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est que là, depuis tout à l'heure, on rigole, mais c'est vraiment, vraiment bizarre, la tension, parce qu'il y a pas de bruit, quoi. En fait, genre, je parle tout seul, je suis habitué dans mes vidéos. Mais là, je parle tout seul et c'est différent, parce qu'il y a eux qui me regardent, là, avec leurs yeux, frère. En vrai, je commence à comprendre la strat. La strat, c'est vraiment juste de ne pas les lâcher et de crier au bon moment, parce que j'ai l'impression que ça leur fait peur quand je crie. Ok, c'est bon les gars. Spring était parti, j'avais vraiment pas vu. Ouais, bah regarde-moi bien, frère, ce sera la dernière chose que tu verras. Ok, 35% les gars, 35% de batterie. Pff, on a Draw Killer qui est vraiment, vraiment très proche. Light Yagami, s'il vous plaît. Light. Let's go. Oh, non. Ok, Light, dors. Ah, mais du coup, les deux. Oh, j'ai réussi à tirer les deux portes, je suis un dieu. Faut arrêter, non, mais je perds ma batterie. Oula. Ok, attends, je mets sous chaise. On s'amuse aujourd'hui, c'est cette soirée incroyable, mon premier jour de taf, super. Attends, mais regardez les gars, sa dentition. En vrai, je sais pas si vous allez voir, mais il a des dents dans des dents.
T'es abonné à Python? Oh non, oh là 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 là, la tatane, on dirait mon daron. Ok, let's go. Porte. Ouverture. En vrai les gars, en plus moi la première fois que j'ai joué à FNAF, c'était un peu près en cette période de l'année, tu vois, c'était vers novembre et tout. Donc les étoiles et les astres et les astéroïdes sont alignés pour que on soit absolument. Wesh. Oh non 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 non. Porte, 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 porte. Frère, j'en perds mon latte. Ok, il se recule, il se recule. C'est bien, respecte mon autorité. Oh, je me suis défoncé, j'avais cru que j'avais détruit les portes, les gars. Après, il est juste là, je sais même pas ce qu'il fait, je sais pas ce qu'il attend, gros. Je sais pas ce qu'il attend de moi, mais j'ai rien, j'ai pas de bouffe. Je vais regarder de l'autre côté, je vous montre un peu. Personne de ce côté. Je crois que Draw est parti. Et comment va Bonnie? Bonnie est complètement là, hein. Bonnie me tourne le dos carrément, il me fait la gueule, on dirait mon ex. Oh, les gars, c'est terrible, c'est vrai. Quoi, c'est... Mais j'ai 6%, mais la porte! Mais purée! Bon les gars, le taux de chance que je gagne la partie est faible actuellement, mais vraiment faible. En vrai, avant que je meure, si vous voulez me rendre un petit service, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. En fait là, je peux rien faire quand je peux même pas répondre au téléphone. C'est quoi ici cet endroit qui fonctionne encore sur pile électrique? En fait, j'ai même plus envie de... Ok, les deux sont au tout début. Il y a des jours comme ça où je me dis, j'aurais dû suivre les conseils de ma mère et devenir vétérinaire pour hamster. Ça au moins, c'était bien payé. Oula, il m'a fait bonjour de la main. Ok, là ils sont dans la grande salle. Tout va bien. En vrai, la grande salle, logiquement, c'est le deuxième endroit le plus loin en partant de leur spawn. Parce qu'en fait, ils spawnent sur une scène qui est dans la grande salle qui, normalement, est destinée pour faire des anniversaires, etc. pour les enfants. Là, vous vous doutez, il n'y a pas d'enfants, il n'y aura pas d'anniversaire. Mais je vais vous montrer un truc pour vous montrer à quel point, quand même, cette vidéo est un banger. Si vous ne le savez pas, il y a un easter egg dans Five Nights at Freddy. Quand vous touchez le nez de l'affiche de Freddy dans la cabine, et bah ça fait un bruit. Vous avez vu, c'est incroyable. Les gars, on a pensé à tout. Dors, dors, dors. Mais pourquoi cette porte-là? Mais purée! What? Non, 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 non! Ok, celle-là, je la désactive. Je sais pas pourquoi elle a été activée. C'est un faux contact, faut pas chercher, les gars. 1%, c'est pas trop mal. Les gars, il me reste moins d'une minute à tenir. Est-ce que ça peut se faire avec 1%? 0%! Les gars! Est-ce que c'est bon pour vous? Bah, pas moi! J'ai une idée, les gars. En vrai, il viendra jamais me chercher sous le bureau. Moi, je pourrais dire que je suis passé sous le bureau, mais j'ai une raison. Casse un rythme des deux côtés, je suis dans la D de ouf. Non, 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 je suis pas votre ennemi, hein. Oh là 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 là. Ils sont passés où? Oh, les gars, par contre, c'est une dingue. Je sais pas comment, mais j'ai survécu. Ok, une clé. Les gars, je sais pas ce qui vient de se passer, je sais pas comment, mais j'ai réussi à survivre. À une nuit, il fallait être Freddy dans la vraie vie. Mais c'est pas encore gagné, maintenant il faut que je sorte d'ici, les gars. La clé, je sais exactement ce que ça ouvre. Parce que je le voyais depuis tout à l'heure. Voilà. Une lampe torche. Une lampe torche, c'est utile, c'est dans tous les jeux d'horreur. T'es pas un bon jeu d'horreur si t'as pas de lampe torche, je suis désolé. Mais maintenant il faut vraiment que je me balade. C'est pas dans le jeu original, ça. Hein. Là, c'est des caméras sur lesquelles je voyais tout, en fait. Franchement, en premier jour de travail, j'ai connu mieux. Hein. Vraiment, McDo, c'était plus cool. Là, il y a Fox. Le masque et tout, les dessins. Ah, c'est creepy comme on aime. Bienvenue au studio du Grand JD. Aujourd'hui, on va dans un manoir hanté. Oh, mais c'est énorme. Ça me donne tellement envie, je vous dis, de faire un anniversaire. Parce que personne venait à mes anniversaires. Mais pourtant, je pense vraiment que là, ils auraient kiffé. Hein. Donc juste ici, les gars, il y a l'estrade. Voilà. Mais par contre, il n'y a personne. Ils sont où, les animatronics? Je suppose qu'ils sont dans le débarras. Ok, les gars, c'est une dinguerie. Regardez, juste là, il y a le crochet de Foxy. Et aussi du liquide vaisselle. Et juste là, regardez, il y a tellement de détails. C'est incroyable. Par contre, ça fait peur. Je sais vraiment pas du tout où sont mes amis. Si quelqu'un entend ce message, aidez-moi. Ah non, 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 dégage, dégage. Toi aussi, dégage. Non, 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 non.